Quelle est l'équation qui décrit d'après toi l'évolution du nombre de blocs dans cette suite de blocs Donc ça, c'est une suite de blocs parce que là il y a un certain nombre de blocs, là aussi, là aussi et là aussi, et puis c'est pas le même nombre. Donc ce qu'on va faire déjà, la première étape, c'est passer d'une représentation en blocs à une représentation en chiffres, en nombres. Donc je vais mettre le numéro du terme, numéro du terme ici de la suite, et ensuite la valeur dans la deuxième colonne. Voilà. Alors, premier terme de la suite, il y a combien de blocs Il n'y en a qu'un. Deuxième terme de la suite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Troisième terme, combien il y a de blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quatrième terme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver une logique dans l'évolution du nombre de blocs Mais regarde, pour passer du, du premier au deuxième, pour passer de 1 à 5, il faut rajouter 4. Pour passer de 5 à 9, il faut aussi rajouter 4. Pour passer de 9 à 13, là encore, il faut rajouter 4. Bon, ben voilà, on reconnaît tout de suite. C'est une suite arithmétique. C'est une suite. Arithmétique, puisqu'il faut rajouter pour passer d'un terme à un autre tout le temps le même nombre qu'on appelle la raison et qui vaut 4. Donc, une fois qu'on a repéré que c'était une suite arithmétique, on n'a plus qu'à chercher dans notre mémoire pour retrouver la formule. Alors, on aurait aussi directement en regardant les blocs pu voir que on passait d'un terme de la suite à un autre en rajoutant 4 blocs. Parce que regarde, en fait, ce qui change à chaque fois, c'est qu'on rajoute une colonne de 4. Au début, il y avait qu'un bloc. Ensuite, on rajoute une colonne de 4. Ensuite, on re-rajoute une colonne de 4. Et ensuite, on re-rajoute une colonne de 4. Donc, à chaque fois, on rajoute 4 blocs. Donc, est-ce que tu te rappelles de la, de l'expression générale d'une suite arithmétique? Du terme A, petit n. Du nème terme de la suite. Tu t'en rappelles? Et bien, c'est le premier terme, k, plus n-1 fois la raison. Alors, ici, que vaut K C'est le premier terme, donc il vaut 1. Et que vaut la raison La raison, c'est le nombre qui nous permet de passer d'une valeur à la suivante. Donc, ici, c'est 4. Donc, du coup, le n-terme, le nombre de blocs du n-terme, c'est an, et ça vaut 1 plus n-1 fois 4. Alors maintenant, je vais développer ça. Donc, je vais d'abord mettre les termes qui dépendent de n. Donc c'est ici, n fois 4, ça fait 4n. Ensuite, on a 1 plus moins 1 fois 4. Donc 1 moins 4 et 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà. Donc là, on vient de trouver l'équation d'évolution du nombre de blocs. C'est-à-dire que le n terme le nombre de blocs du n terme est égal à 4n 3